Salut tout le monde, c'est Fish. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, information et pas une vidéo dans le mode créatif de Fortnite parce que j'ai pu récolter pas mal de nouveautés, pas mal d'informations plutôt concernant la prochaine arme de Fortnite Battle Royale. On va parler d'une SMG plutôt puissante de ce que j'ai pu voir. En tout cas, j'ai vraiment hâte qu'elle soit ajoutée au jeu. Si vous voulez déjà pour commencer, je vous affiche directement un screen à l'écran. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi elle ressemblera. Et puis au fur et à mesure de la vidéo, je vous donnerai des informations concernant sa rareté, concernant ses dégâts, concernant aussi le nombre de balles qu'elle a dans son chargeur. Donc ça, je vais le détailler au fur et à mesure de la vidéo. Et d'ailleurs, les gars, aujourd'hui est un grand jour. Enfin, malheureusement, cette vidéo, elle sortira un jour après. Donc normalement, cette vidéo, vous la voyez soit samedi, soit dimanche. Mais regardez-moi dans la boutique d'objets. On est aujourd'hui vendredi et la Poiscaille, elle est de retour dans la boutique. En tout cas, j'espère que vous, derrière votre écran, vous l'avez acheté avec le code Shoutout. Ça, c'est très très important. Soutenir un créateur, code Shoutout, S-H-O-U-T-O. C'est un petit peu la base. N'oublie pas d'accepter d'ailleurs. Comme ça, tu iras en créateur soutenu Shoutout. Et il fallait acheter la Poiscaille. Hein. J'espère vraiment que vous l'avez tous acheté. Mais avant de commencer la vidéo, je t'invite énormément à exploser cette barre de pouce bleu. Ça me ferait super plaisir. Tu peux d'ailleurs, au passage, t'abonner et activer la cloche des notifications. Comme ça, tu recevras les notifications de toute mon activité sur ma chaîne YouTube. Et aussi, me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Twitter, Snapchat ou encore même mon serveur Discord. Tous les liens sont en description. Donc, je te laisse checker ça. On a eu aussi une nouveauté dans la dernière mise à jour sur Fortnite. C'est un nouveau mode de jeu au nom de virée urbaine. C'est un petit peu comme du mode créatif. En gros, faut récolter des pièces. C'est celui qui aura récolté le plus de pièces pendant un parcours, il gagne la partie. Je pense pas faire de vidéo là-dessus parce que je pense que derrière votre écran, vous avez déjà tous essayé ce mode de jeu. En plus, là, il y a des petits défis pour débloquer pas mal de skateboards. Du coup, n'oubliez pas de les faire pour débloquer pas mal de skins. Après, là, les gars, je vais pas vous mentir. Au niveau de mon skill, j'ai pas encore joué aujourd'hui. J'ai joué hier soir quand même pas mal de fois. Mais alors, aujourd'hui, je me suis pas du tout échauffé. Je suis rentré des cours. J'ai fini mon montage de la vidéo. Le bouton là, je sais pas si vous avez regardé cette vidéo, en tout cas je vous invite, le lien de la vidéo sera en description. Donc je finissais ce montage et là bah je me suis dit pourquoi pas tourner une vidéo en formation ce soir tranquillement vers 21h, et vu que je me suis pas échauffé, ça risque de faire peur. Et si, il y a quand même pas mal de mecs là, il y a quelques personnes qui tournent autour. Ok, je pense qu'on va être 4. Nice, ok, let's go. J'ai le coffre, un fusil à pompe, ça serait parfait. Ok, j'ai pas de fusil à pompe. Il n'y a pas le distributeur. Non, ici il y a pas d'armes. Oh putain, ça risque d'être la crise. Et il y a rien les gars. Oh, let's go. Ok, c'est bon. On a pris le kill. Il y a encore des mecs. Ok, let's go. C'est bon, on a réussi à prendre le kill. J'étais un petit peu concentré. Du coup, désolé si j'ai pas parlé. Ok, let's go. Bon, en tout cas, c'est cool. Ça commence bien. On a déjà 2 kills. Je suis pas mort, ça faut le dire quand même. Faut le préciser. Le seul petit problème là, c'est que j'ai pas de kill. Du coup, je vais essayer d'aller me stuff. J'allais check aux 2 petites maisons derrière pour essayer de trouver du soin. Pour reparler un petit peu de la SMG qui va arriver sur le jeu là, sur le Battle Royale de Fortnite. En tout cas, de ce que je vois, elle ressemble fortement à la Vector de Black Ops 2. Call of Duty Black Ops 2 pour les personnes qui auraient joué. Ou sinon, ça me fait aussi un petit peu penser à la Vesper de Call of Duty Black Ops 3. Je parle vraiment au niveau du physique. Hein. Après, au niveau des dégâts et tout. Déjà c'est pas le même jeu, du coup on peut pas vraiment comparer. Mais au niveau du physique de l'arme, c'est vraiment très ressemblant. Et donc je pense que pour les personnes qui auraient essayé Call of Duty Black Ops 2 ou quand même Call of Duty Black Ops 3, ils verront vraiment la ressemblance entre ces deux armes. Aussi au niveau de la date de sortie, après ça il y a rien de sûr, mais habituellement les nouvelles armes, les nouveautés que Fortnite ajoute sur le jeu, c'est souvent le mardi ou le mercredi. Après ça sera pas forcément la semaine qui arrive, ça sera peut-être dans 2 semaines, dans 1 mois carrément. C'est totalement possible, mais dans tous les cas cette arme elle arrivera sur le jeu. Il y a des mecs, hein. J'entends des gens qui sont en train de se fight. Ah oui, ils sont juste ici. Ok, les mecs, ils sont juste là. Ouh, il y avait moins que je calme une tête, lui. Oh, let's go. Oh, le free kill. Alors ça, c'était vraiment le plus gros free kill que j'ai pris de la game. Ah bon, en plus, c'est Vin Thompson. Alors là, on se met vraiment bien. Je vais quand même prendre la nouvelle arme. Et on est pas mal, là, quand même. On commence directement la game avec 3 kills. Attendez, je suis déjà dans le top 17. Sans déconner, j'ai même pas vu le temps passer, hein, pour être franc avec vous. Mais si je suis top 1, la game, elle sera passée ultra vite alors. Oula, il y a un mec qui est en train de tirer au snipe juste à côté. J'essaie d'aller prendre hauteur, vous savez quoi. Comme ça, je pourrais prendre le kill beaucoup plus facilement. Oh là, il y a moyen de prendre un truc là. Oh, let's go, touch une fois. Il y a un qui rush. Ok, il y a un mec qui décide de me rush. Putain, il est chiant, j'étais occupé sur un ennemi. En plus, j'ai pas beaucoup de shield, hein, ça me met dans le mal. Oh! Oh, il y a moyen. Oh, le vent foiré, il a plus de vie. Hein. Oh, je me le fais KS, je seum. Oh, let's go! Ok, c'est bon.
On a pris le kill. Putain, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller parce que le mec il a une slurp et j'ai besoin de shield. Hop, on boit la slurp en 2-2. Ok. Normalement on est super bien allé les gars. Juste attendre que le shield arrive. Il y en a une au-dessus, non? Ah ouais, je dois aller à la zone, j'avais même pas remarqué. Ok, vas-y, on va speed. Let's go. On est parti. Sans déconner, ça va, on commence bien. Pour le moment, je suis dans le top 12 avec 4 kills. C'est pas énorme, mais pour moi, ça va. En fait, vu que je suis nul sur le jeu, top 12 avec 4 kills, c'est pas négligeable. Pour vous parler un petit peu des nouveautés de la prochaine arme qui arrivera sur le Battle Royale de Fortnite, au niveau de la rareté, on aura une arme grise, verte et bleue. Donc, 3 raretés différentes. Normalement, on sera pas censé la retrouver de rareté épique et légendaire. Donc, je le répète encore une fois, grise, verte et bleue. Le nom de l'arme, ça sera l'SMG Burst, mais ça, il me semble que c'est en anglais. Donc, en français, je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. De toute façon, je regarderai par la suite. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'arme est bien une mitraillette. Ah, j'ai quand même entendu un gars là, non? Il y a un mec qui vient de monter la montagne, il me semble. Oh putain, la balle de sniper, elle est pas passée loin, n'empêche. Je vais essayer de jouer un petit peu safe, vu que je suis pas trop fort, je vais pas rush les ennemis. Sinon, en fait, je vais mourir. Du coup, je vais essayer quand même d'assurer un minimum le top 1. Oh non, pour vrai. Ah ouais. Vas-y, je me taille, les gars. Non, mais là, faut que je me taille directement. Le mec, il m'a démonté mon shield. Ah non, il va continuer à me shoot. Oh non, pour vrai. Il va continuer à me shoot. Ok, c'est bon. Oh, c'est une grosse spot, ça. Eh, hey, j'aurais une grosse spot ici, j'aurais été trop bien. Vas-y, hop, je me couvre. Je vais mettre mes deux petites potes. Et voilà, on est reparti dans la game. Bon, là, on a l'air un petit peu plus safe. Ok, donc au niveau des dégâts que fera cette mitraillette, on est censé retrouver du 23 de dégâts pour la mitraillette de rareté grise. Pour la mitraillette de rareté verte, on retrouvera du 24 de dégâts par balle. Et pour la mitraillette de rareté bleue, elle fera du 25 de dégâts. Donc on peut imaginer que dans la tête, ça fera deux fois plus de dégâts. Attendez, il y a juste un ennemi ici, je finis. Il y a un mec. J'espère que je vais réussir à le tuer, lui. Mon bambinos. Je vais me prendre un karma. J'ai pas envie de me prendre trop un karma, du coup j'ai la joue safe. Ok, il est là. Ok, touch une fois. Oh, let's go. Vas-y, let's go. Là, il y a moins que j'arrive à prendre du kill parce qu'il y a plus de vie. Oh, la forêt. Let's go. Ok, c'est bon. On a réussi à prendre du kill. Il avait pas de shield, mec, c'est si. Ok, il avait du shield. Il avait qu'une mini-poste. Coup dur, ouais, là c'est un petit peu la crise parce que j'ai pas des masses de vie. Ça va commencer à se corser un petit peu. Ah d'ailleurs je suis dans le top 2. Ok les potes, il y a moyen de faire top 1. Je suis dans le top 2. Si je me concentre assez que je la joue ultra safe et tout, il n'y a pas de raison, le top 1 devrait passer. Enfin si, en fait il y a une raison, c'est que j'ai pas beaucoup de vie. Mais ça faut pas le dire. Je suis de me focus un petit peu sur la game, je vais pas vous le cacher. Je vais vous dire la suite des informations juste après. Regardez-le, il est tout là-haut, regardez. J'arrive à le caser une tête, c'est fini, hein, c'est tranquille. En fait, le truc, c'est qu'il sait que je le vise. Ok, c'est bon, c'est moi qui suis le plus proche de la zone. Donc pour ça, on est assez tranquille, il va prendre un tremplin. Ok, je crois qu'il va prendre un tremplin, le mec. Je vais attendre qu'il se rapproche un petit peu de moi. Comme ça, je pourrais essayer de le shoot pendant qu'il va prendre son tremplin. Histoire de reprendre un peu l'avantage, parce que je sais pas du tout s'il est full HP ou quoi que ce soit. Ah, what? Regardez-le, il est là-bas. Putain, c'est chaud. Il lui a mis une balle de sim, je dead. Je sens des petits pré-shots, vous savez. Ok. Oh, let's go. Ok, touch. Ok, let's go. J'ai réussi à le touch. En plus, il y a la zone qui arrive. Alors, ça, c'est parfait. Non. Oh, let's go. Infliger des dégâts avec différentes armes. Ah, ok, cool. Bah, c'est bien si je fais mes défis en même temps. Moi, ça me va. Ah, regardez-le. Il push parce qu'il sait qu'il est dans la merde. Il s'est re-soigné l'enfoiré, il s'est re-soigné. Faut toujours que je garde l'avantage parce que là il a pas des masses de vie. Mais apparemment il s'est régène vu qu'il avait encore du shield. Il a dû se régène. J'aimerais bien lui mettre de la balle de sniper. Ah, je le sens pas. Cette game je la sens pas du tout. Oh, ok, let's go. Top 1 pour la première game de la journée. Bon, c'est vrai, j'ai quand même pas mal tryhard pour le top 1. Mais let's go, on a réussi à s'en sortir.
Et franchement, on se met super bien pour cette première game. Bah, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, je vais vous balancer la suite des informations une fois qu'on est dans le menu. Maintenant, je vais vous faire un bref résumé concernant toutes les informations que l'on a par rapport à la prochaine arme du Battle Royale. Donc, la prochaine SMG qui est censée arriver ce mardi ou ce mercredi, ou sinon dans une semaine, deux semaines. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'arme arrivera prochainement sur Fortnite. Je répète encore une fois, mais les informations que je vais vous dire, il est possible qu'elles soient modifiées au fil du temps si Epic Games se décide de changer telle ou telle information qui est fortement probable, hein, ça arrive de temps en temps, mais normalement on part sur ces bases là et si ça change pas, on est censé retrouver ces stats que je vous donnais juste après. Au niveau de la rareté, ça sera une arme grise, verte et bleue avec les dégâts respectifs de 23, 24 et 25 de dégâts. Il me semble que si on mettra des balles dans la tête, ça fera du x2, donc du 46, du 48 et du 50. On retrouvera un chargeur avec 20 balles, ce qui est pas énorme en soi, mais si la cadence est plutôt respective, que les balles ne sortent pas tous d'un coup, ça devrait aller. Aussi au niveau de la précision, j'ai hâte de voir ça, hâte de voir aussi qu'est-ce que ça va rendre en jeu. Et au niveau du rechargement, on devrait pouvoir réinitialiser son chargeur en 2 secondes. Je raffiche encore une fois d'ailleurs à l'écran le design de l'arme pour les personnes qui n'auraient pas fait attention juste avant. Donc comme je l'ai dit, moi ça me fait penser à la Vector de Call of Duty Black Ops 2, ou sinon aussi à la Vesper de Call of Duty Black Ops 3. Et c'est pas vous à me dire qu'est-ce que vous en pensez de cette prochaine SMG. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de la découvrir avec vous, en espérant que cette vidéo vous a plus, je t'invite bien évidemment à exploser cette barre de pouce bleu comme d'habitude, ça me ferait super plaisir, à t'abonner et d'activer la cloche des notifications si c'est pas encore fait pour recevoir toutes les notifications en rapport avec ma chaîne YouTube. Tu peux aussi venir me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Twitter, Snapchat ou encore même mon serveur Discord. Tous les liens sont en description, toutes les informations sont en description, donc je te laisse checker ça. Et dans la boutique d'objets, soutenir un créateur, code Shuto, S-H-O-U-T-O, très important, n'oublie pas d'accepter minuscule ou majuscule, ça n'a pas d'importance, comme ça tu auras un créateur soutenu Shuto. Sur ce, moi je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, je te dis à la prochaine, allez ciao.